Hey, salut les rumeurs. Alors, on est en confinement, donc je vais en profiter pour me faire un petit plaisir et on va faire un burger au rhum. C'est parti. Je m'appelle Régis Lapèze et sur cette chaîne, je t'aide à prendre plus de plaisir avec du bon petit rhum. Si c'est pas déjà fait, abonne-toi. Alors, des burgers au rhum, tout simplement, je me suis fait des bons petits steaks, là, vous voyez. J'ai pris un bon petit rhum, le HSE 2004. J'aime bien faire des bons petits plats avec des bons produits, donc je prends un très bon produit pour faire mon steak au rhum. Alors, on va saler. Je vais mettre un petit peu d'ail. Et je vais faire des petits trous. J'ai pris un cure-dent, donc je vais faire des petits trous dans mon steak haché. Là, tranquillement. Ça va permettre, quand je vais verser le rhum sur mon steak, de pouvoir faire rentrer le rhum dans le steak. Et après, on va laisser macérer ça pendant une petite demi-heure avant de passer à la poêle. Voilà, et on va passer au petit rhum. Alors, on y va gentiment et généreusement. Voilà. Une petite demi-heure comme ça, et après on va passer au grillage. Voilà, une bonne demi-heure est passée, on va pouvoir passer à la cuisson.
Et voilà, un bon burger avec un steak macéré au rhum. Je suis sûr que ça va être extraordinaire. Alors voyons voir un peu ce que ça donne. C'est trop trop bon. Le rhum est subtil, mais il apporte vraiment quelque chose de superbe à cette viande. C'est trop trop bon, il y a un petit boisé, un petit fumé avec la viande. Ah, c'est un pur délice. Franchement, je vous conseille d'essayer, c'est super bon. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous êtes libre d'aller télécharger gratuitement mes livres sur mon blog. N'oubliez pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé, mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Allez, en attendant la prochaine, je vous souhaite de prendre bien du plaisir avec un bon petit rhum. Tchuss !